chers élèves, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus Bonjour chers élèves, aujourd'hui on se retrouve une fois de plus dans le processus de la continuité pédagogique et des acquis sur la dernière partie du commentaire composé. Et nous nous proposons avec vous ce matin de travailler sur la rédaction de la conclusion qui s'appuiera sur les éléments du développement que vous avez appris, étudié, que vous avez rédigé la fois d'avant. Et pour ce faire, après un débat quelconque, il est toujours important de tirer des conclusions qui se présentent comme étant des résolutions. Il y va du commentaire composé. Après avoir abordé l'introduction, après avoir examiné les axes d'étude, les sous-thèmes, après avoir étudié tout ce qui est valeur littéraire textuelle, il est nécessaire de faire le bilan du travail déjà amorcé. Et en ce jour où nous abordons cette question sur la conclusion, et notamment sur la rédaction de la conclusion du commentaire composé, chacun de vous doit être capable de rédiger une conclusion en faisant ressortir les trois phases à partir du texte proposé par le professeur. Et ce texte, c'est sur la mort de Marie de Ronsard que nous avons déjà amorcé. Cela fait plusieurs séances. Qu'à cela ne tienne, la première hypothèse, la première question qu'on peut se poser avant de passer à la rédaction réel de la conclusion, c'est de savoir en combien de parties est subdivisé le commentaire composé. Et le commentaire composé, comme nous le savons tous, est subdivisé en trois parties: l'introduction, le développement et la conclusion. Et en combien de paragraphes, d'après vous, se rédige une conclusion ? Comme tous les autres exercices, la conclusion se rédige en un seul paragraphe. Et quels sont les moments, les différents moments d'une conclusion, d'un commentaire composé? Le commentaire composé est constitué de trois moments ou trois étapes, à savoir le bilan, l'intérêt littéraire et le rapprochement textuel. Et à quoi correspondent ces moments? À quoi servent ces moments, ces étapes? Le bilan consiste à rappeler les axes d'étude ou centres d'intérêt du développement, ainsi que les sous-axes, encore appelés les arguments de chaque axe d'étude. Et l'intérêt littéraire, c'est la valeur du texte sur le plan littéraire, donc la richesse du texte sur le plan littéraire qui repose effectivement sur le vocabulaire, les figures de style, les temps verbaux et même l'idée générale. Ça, ce n'est qu'un canevas. Il y a d'autres éléments qui peuvent nous permettre d'amplifier ou bien d'améliorer cette richesse littéraire. Et le dernier point qui porte sur le rapprochement textuel, concernant ce rapprochement, c'est une sorte de comparaison que l'élève, l'enseignant ou le lecteur averti aguerri fait avec d'autres textes, notamment sur le plan de l'écriture et aussi sur le plan thématique. Mais sur cette phase précise, l'élève doit éviter de donner des informations erronées
sur l'auteur et sur le texte à rapprocher. Et pour ce faire, nous allons nous remémorer le texte en le lisant. Texte sur la mort de Marie. Comme on voit sur la branche au mois de mai la rose, en sa belle jeunesse, en sa première fleur, rendre le ciel jaloux de sa vive couleur, quand l'aube de ses pleurs, au point du jour la rose, la grâce dans sa feuille et l'amour se reposent, embaumant les jardins et les arbres d'odeur, mais battus ou de pluie ou d'excessive ardeur. Languissante, elle meurt, feuille à feuille déclose. Ainsi, en ta première et jeune nouveauté, quand la terre et le ciel honoraient ta beauté, la part que t'as tuée et cendre tu reposes. Pour obsèque reçois mes larmes et mes pleurs, ce vase plein de lait, ce panier plein de fleurs, afin que vif et mort, ton corps ne soit que rose. Pierre de Ronsard, le second livre des amours, 1578. Après cette phase de lecture, nous allons une fois de plus rappeler les moments importants, les moments clés, les éléments constitutifs d'une conclusion, d'un commentaire composé. Et nous avons dit ici que la conclusion d'un commentaire regorge trois étapes. Et parmi ces étapes ou ces éléments, nous avons petit a, le bilan. Petit b, l'intérêt littéraire. Et le c, le petit c, le rapprochement textuel. Voici les trois éléments clés d'une conclusion, d'un commentaire composé. Et c'est à partir de cette grille que nous allons faire ressortir les phases ou les étapes ou les éléments, les sous-éléments de chaque phase ici évoquée. On est ici au niveau du bilan. Nous allons aborder le petit a, le bilan, et nous allons faire ressortir les éléments du bilan. À partir du bilan, nous avons deux moments clés. Nous avons les axes ou les centres d'intérêt et nous avons les sous-thèmes qui découlent de ces axes ou de ces centres d'intérêt. Maintenant, à partir du texte lu, quels sont les axes d'étude? Quels sont les axes d'étude du texte que nous venons de lire? Quels sont les axes d'étude du texte que nous venons de lire? Conformément au plan du travail de la fois dernière, nous avons deux axes ou deux centres d'intérêt. Le premier centre, c'est la célébration. La célébration de la beauté. La célébration de la beauté de Marie. Et le deuxième portait sur l'évocation
porter sur les vocations, du caractère éphémère de la vie, du caractère éphémère de la vie. Nous venons ici de faire ressortir les deux centres ou les deux axes d'étude. Quels sont les sous-axes ou thèmes qui découlent de ces axes d'étude ou centres d'intérêt, conformément au travail fait la fois d'avant? Avec le premier centre, donc notamment la célébration de la beauté, avec le premier centre, virgule, nous avons la beauté de Marie. Nous avons la beauté de Marie et la jeunesse de Marie. Ce sont les deux sous-axes ou sous-thèmes du centre d'intérêt, la célébration de la beauté. Et avec le deuxième, centre, nous avons les menaces. Nous avons les menaces. Nous avons les menaces de la vie et la mort de Marie. Et la mort de Marie. Voici le bilan ou les éléments constitutifs du bilan au niveau de la conclusion. Nous avons fini avec le petit A, nous allons aborder le petit B qui porte sur l'intérêt littéraire. Quels sont les éléments qui justifient la beauté littéraire de ce texte? Quels sont les éléments qui justifient la beauté littéraire de ce texte? Ici, quand on voit l'expression littéraire, on fait uniquement allusion à l'écriture, au style, aux figures de style, au temps de la conjugaison, et j'en passe, il y en a tellement. Et par rapport, conformément à notre texte, quels sont les éléments de l'intérêt littéraire qui attirent notre attention, qui nous inspirent ou qui nous marquent le plus? Tel que vous l'avez abordé la fois d'avant, vous avez évoqué dans votre rédaction l'emploi ou la prédominance du présent de l'indicatif. L'emploi permanent du présent. Et quelle est la valeur du présent? Nous savons que le présent actualise et pérennise la beauté de Marie. La beauté de Marie.
Point. En dehors de l'emploi du présent, il y a également l'utilisation des figures de style. L'utilisation des figures de style. L'utilisation des figures de style. Par rapport à notre texte, nous avons évoqué l'allégorie, virgule, la comparaison, virgule, la métaphore, pour ne citer que ces quelques cas. La métaphore. Voici les éléments que nous avons pu rassembler. Mais on pouvait aussi regarder les signes de ponctuation possibles. On pouvait aussi regarder la permanence des pronoms personnels, des pronoms indéfinis et autres. On ne peut pas tout faire, on ne prend que l'essentiel. Nous avons fini avec les quelques éléments que nous avons pu rassembler par rapport au texte étudié. La dernière étape ou le dernier élément porte sur le rapprochement textuel. À quel autre texte peut-on rapprocher ce texte? À quel autre texte peut-on rapprocher ce texte? Ce texte. Ce texte peut être rapproché. Ce texte peut être rapproché. Ce texte peut être rapproché de la courbe de tes yeux. La courbe de tes yeux, de Paul Éluard. De Paul Éluard. Bien. Ce n'est pas en citant un texte qu'on peut dire que le rapprochement devient effectif. Il faut, après avoir cité le texte, donner les éléments de similitude, les éléments qui rapprochent les deux textes. De Paul Éluard. Où il rend hommage à la beauté féminine. À la beauté féminine, à la beauté féminine. Point, on peut s'arrêter là. Bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ronsard, sur la mort de Marie, donc dans son texte intitulé « Sur la mort de Marie », Paul Éluard, dans son texte intitulé « La courbe des yeux », ces deux auteurs rendent hommage à la beauté féminine. Rendent hommage à la beauté féminine. Donc, les deux auteurs parlent de la beauté de la femme. Voici un élément. Il peut y avoir une pluralité de thèmes, mais on choisit au moins un élément qui rapproche les deux textes. Mais il n'y a pas que Paul Éluard. On peut aussi faire le rapprochement avec le texte du même auteur, c'est possible également. Donc, on peut aussi dire ce texte peut être rapproché aussi de
mignonne. Mignonne, virgule, allons voir si la rose. Allons voir si la rose. Voilà. Du même auteur, ça veut dire toujours de Pierre de Ronsard. Et qu'est-ce que ces deux textes ont en commun? C'est qu'ils parlent, les deux textes parlent de la beauté de la femme comparable à une rose. Donc ces deux textes font de la rose l'emblème, l'âme même du texte. Dans lequel il éternise, dans lequel il éternise la beauté féminine, la beauté féminine à travers la métaphore de la rose, à travers la métaphore de la rose. Voici les éléments recensés du texte sur la mort de Marie conformément au plan rédactionnel de la conclusion. Maintenant, à partir de ces éléments qui sont au tableau, nous allons ensemble rédiger en un seul paragraphe la conclusion du commentaire. Rédaction de la conclusion. Rédaction de la conclusion. Ce texte de Ronsard, ce texte de Ronsard célèbre la femme à travers sa sublime beauté et sa jeunesse. Et sa jeunesse, mais aussi sa vie. Mais aussi sa vie, sans cesse menacée, mais sa vie, sans cesse menacée par la mort. Point. Nous venons de finir avec le bilan. Ça, ce n'est qu'un canevas, mais vous pouvez varier votre style du point de vue de la rédaction. Nous avons fini avec le bilan. Nous allons prendre la deuxième étape, c'est l'intérêt littéraire. La beauté littéraire. La beauté littéraire. La beauté littéraire de ce texte. La beauté littéraire de ce texte. Tient à l'emploi, permanent, tient à l'emploi permanent du présent, comme moyen. Comme moyen
comme moyen. Comme moyen d'actualiser et de pérenniser la beauté. Nous sommes en lettres, on peut mettre un peu de piment. Voilà. Époustouflante de Marie. De Marie, sans oublier l'utilisation de plusieurs figures de style. Plusieurs figures de style pour magnifier davantage, la femme. Nous venons de terminer avec la beauté littéraire. Nous allons prendre la dernière étape portant sur le rapprochement. À le lire. À le lire, virgule, ce texte nous rappelle. La courbe. La courbe de tes yeux. De Paul Éluard. Où il rend hommage. Où il rend hommage à la beauté. Beauté féminine et aussi de mignonne. Allons voir si la rose. Du même auteur. Dans lequel. Il éternise la beauté, féminine à travers
la métaphore de la rose. Voici, nous venons de rédiger avec vous la conclusion du commentaire en fonction des trois éléments constitutifs. Mais je voudrais faire tout juste un rappel. Nous avons évoqué ici deux textes. Il n'y a pas une obligation pour l'élève de mettre deux textes. Il peut mettre un seul texte en fonction de sa culture. Et le rapprochement ne tient pas forcément compte des genres. On peut faire le rapprochement d'un poème avec un roman, d'un poème avec un extrait d'un roman ou d'une pièce de théâtre. L'essentiel qu'on retrouve la même thématique, si possible. Voilà, donc il n'y a pas une obligation. Ça s'appelle ouverture, rapprochement, vous êtes libre. L'essentiel qu'on retrouve les mêmes éléments, les éléments qui rapprochent les deux textes. Bien, comme d'accoutumée ou de coutume, vous avez toujours deux textes. Depuis le début de cet exercice, vous avez sur la mort de Marie et le texte de Robert Desnos, Corps et Bien. Vous allez poursuivre ce travail à la maison. Vous allez rédiger en vous inspirant de ce qui a été fait. Et je vous remercie d'avoir suivi. Et j'espère que vous avez compris pour la suite de votre parcours littéraire et scolaire. Je vous remercie. On se retrouve la prochaine fois.